Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu indé, je crois que c'est un jeu indé, qui s'appelle Inside, que je ne connais pas du tout en fait. Mais il a eu de très bonnes critiques et du coup j'avais vraiment envie de l'essayer. Surtout que c'est pas vraiment un jeu à un gameplay, c'est un jeu où on suit une histoire. Apparemment on est un petit garçon et on doit se balader et faire des énigmes, trouver une sortie, je sais pas trop. En tout cas c'est un jeu qui a une ambiance toute particulière et que j'avais vraiment envie de tester. Donc, eh bien, nous voilà à tester ce jeu. J'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Ok. Inside, donc. L'ambiance est toute particulière. Donc pour l'instant on a un petit garçon et on court dans la forêt. Fort bien. On dirait qu'on essaie de s'enfuir de quelque chose, je sais pas. Les animations sont vraiment pas mal. C'est très... très vrai. Petit détail qu'on aime bien. Apparemment, il essaie vraiment de s'enfuir de quelque chose. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Ok, c'est bon. S'il passe pas par là, normalement il devrait pas me voir. Ok, c'est bon. Nickel. Je sais pas trop comment on appelle ce genre de jeu. Je sais pas si c'est un nom particulier, un genre particulier. Bon, j'ai juste regardé les touches, donc je sais qu'il y a des trucs qu'on peut attraper et d'autres. Enfin, voilà, avec contrôle juste. Les touches sont pas. Hyper, enfin il n'y en a pas beaucoup, en fait j'ai regardé dans les commandes pour voir, parce que des fois je suis en QWERTY ou en AZERTY, et il s'avère que les seules commandes que j'ai vues c'est sauter, avancer, reculer, descendre, et attraper des trucs avec contrôle quoi, donc ce sera les seules commandes qu'on aura en jeu. Donc voilà. Je pense qu'à surtout se baser sur des trucs à découvrir. Qu'est-ce que c'est? Merde, je peux pas passer là. Ah, peut-être que je dois choper le carton qu'il y avait avant. Et le faire descendre. Le carton, je sais pas trop ce que c'est. Ah, ça doit être ça. Ah, les animations sont vraiment sympas quand même. On dirait qu'il est vachement pressé. Oh là. Il me voit pas, tout va bien. Si, il m'a vu. Oh, putain, merde, un chien. Vite, cours. Holy moly. Wow. Oh fuck. C'est super bré. Putain, du coup, là, il y a les autres qui savent que j'essaie de m'enfuir. Je sais pas de quoi, mais en tout cas, c'est pas bon signe. Enfin, je pense pas. Si ça peut être considéré comme un prologue ou si c'est vraiment le début du jeu, en tout cas, si on arrive à s'enfuir, c'est cool, j'imagine. Je sais pas. Cours, bonhomme, cours, il va te rattraper sinon. Vite. Oh, oh non! Ok, c'était pas de vraies balles. Oh fuck. Tu t'es fait choper, garçon. Ok, il y a un moyen que je me fasse pas choper en fait. Si j'attends là. Qu'il passe. Non. Je suis obligé.
Il n'y a pas moyen, hein. Comment tu veux que je fasse? Peut-être en allant là-dessous. Faut pas qu'il me voit. Ah, nice. Donc on peut y aller. Ouais, donc le but, c'est vraiment pas de se faire attraper, quoi. Là, je me suis dit, genre, peut-être que... je commence en mode comme ça et que tu te fais choper, que du coup. Ah fuck. Il me voit pas? Si, il me voit. Oh, molly. Cours, bonhomme, cours. Cours, garçon, cours. Cours. Et merde. Ah, malheur. Ok, bah écoute. Je sais pas trop là, hein, à vrai dire. Je sais pas trop, est-ce qu'il y a moyen que je puisse aller dans la caravane? Non. Fuck, comment je vais faire? Comment je vais faire? Olé. Comment je vais faire pour passer là sans qu'il me voie? Est-ce que je peux pas me coucher par hasard? Ce serait stylé ça. Il doit y avoir un moyen, mais je sais pas lequel quoi. Si je passe très doucement peut-être. Non, il m'a vu. Ah bordel! Comment je vais faire? Non, c'était pas comme ça. C'était pas du tout comme ça. Bon, dans tous les cas, ça sert à rien de passer doucement, donc je vais juste courir, mais après... après, je sais pas du tout, quoi. Parce que là, j'ai un problème. Je suis un peu... Ah, ok. Oh, intéressant. Aïe, merde, quel con. Non, laissez-moi partir. Ok, d'accord, ça va, j'ai compris. Il faut que j'attende que le camion passe avant de... Putain, je pensais qu'il fallait que je cours super vite, histoire que l'autre il me rattrape pas, mais au final, peut-être qu'il se casse la gueule, je sais pas. Lui, il a une arme, il va me tirer dessus, non? Cours, Forest. Tu vas y arriver. J'ai confiance en toi, bonhomme. Nickel. Continue. Vite. Wow. Holy moly. Putain. Ça fait genre plusieurs fois que ça m'arrive ça. Oh là non, je vais rester sous l'eau. Tu crois qu'il va finir par mourir si je reste trop souvent sous l'eau? Au. Oh, je me suis fait toucher. Fuck me. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger assez profond. On va éviter de s'étouffer et de se noyer. Remonte. Remonte, garçon. Ok, pour l'instant ça va. Ah, des cochons morts. Pourquoi il y a des cochons morts ici? Trop bizarre. Ça a l'air d'être un monde assez chelou quand même. T'y es presque, garçon. Je pense que dans pas longtemps, tu seras tranquille. Parfait, un champ de maïs. Pas mal. Putain, les animations sont vraiment cool quand même. J'apprécie beaucoup. Là, je me croirais dans l'été quand tu fais le maïs et que tu dois castrer tout le maïs là. Supportable. Ça coupe de partout. Le vieux bruit de la pluie qui tombe sur la gueule et sur les feuilles de maïs.
Ok, une ferme. Je peux peut-être me cacher là, non ? En attendant qu'au moins la pluie cesse. Alors je profite de la pluie. Putain, tout est mort. C'est trop bizarre. Oh, atroce. Qu'est-ce que c'est que ça ? Si les poussins sont vivants. Les poussins m'aiment bien, apparemment. Mais pourquoi tous ces cochons sont morts là ? C'est trop bizarre, c'est pas des cochons, c'est des vaches ça ? Attends. Yep. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression qu'il y a des abeilles. Qu'est-ce que ça fait ça? Rien pour le moment. Peut-être si j'active ça, ou je tire ça. Ah bah oui. En parlant du maïs, maintenant c'est les tondeuses. Pourquoi je me mets à faire des bottes de foin d'un coup là? Pourquoi ça va me servir sérieux? Ah oui, faut que je fasse tomber la botte de foin pour pouvoir la pousser. Et monter dessus. Après. Non? Je peux pas bouger? Non, ça sert pas à grand chose là. Peut-être si je me permets d'aller plus vite. Non, ok, je peux pas. C'est bizarre, je suis pratiquement sûr qu'il faut faire ça, mais... Oui, c'est ça, je pense. Ah, mais elle est presque tombée. Ok, peut-être que c'est genre le truc de départ, en mode... Je crois qu'elle bouge, là. Moi, je la vois pas bouger. Peut-être qu'il y a un truc à récupérer, genre du grain ou quoi, et à le mettre là. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Ok, donc là je peux sortir, peut-être ramasser quelque chose et l'emmener là-bas. S'il n'y a pas du foin ou des grains ou quoi. Je sais pas trop, à vrai dire. Là je retourne carrément trop en arrière. Tu crois que c'est par là qu'il faut aller? Enfin, je sais pas du tout. Bon, de toute façon, on est là pour tester. Hein, donc voilà. Attends, tu crois que je peux amener les poussins à me suivre et se faire choper par le truc pour les balancer sur la botte de foin? Non, ce serait méchant. Pauvre poussin. Vas-y, venez là. On va essayer quand même parce que c'est drôle. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé ici, mais c'est assez atroce. Hein. Venez là, les gars. Ouais, ils me suivent, hein. Carrément qu'ils me suivent même. Tu crois qu'ils vont... Non. Ça va pas être ça quand même. Ah si, c'est ça, regardez, ils vont aller. Non, ils me suivent juste. Il n'y en a aucun qui va manger ou quoi. Je sais pas. Hein. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ouais, ça fait rien. Hein. Ah si, attends, je sais. Si je fais comme ça... Oui, ils vont moins vite que moi, donc logiquement. Si je vais jusque là... J'attends qu'ils arrivent. Après, je cours par l'autre côté. Et j'active le truc. Ça devrait peut-être marcher. Ah, c'est ça! Trop drôle. Trop drôle, quoi. Ok, d'accord. Et en plus, ça les tue pas, c'est parfait. Ça les projette juste sur la botte de foin. Ah, c'est pas mal pensé, j'aime bien. Venez là, les gars. Allez, on va faire un petit tour de grand 8. Regardez, ça va être drôle.
Excellent. Excellent. Et il m'aime quand même, hein. Je les balance contre les bottes de foin, mais il m'aime bien quand même. Hop là. Désolé les gars, mais c'est la fin maintenant. Je me barre. Alors, on va savoir pourquoi je dois traverser une ferme pour m'enfuir de l'autre truc là. C'est très étrange. Après bon, l'histoire m'est inconnue donc sûrement le découvrir à un moment donné. Faut que je saute sur les cochons, mais c'est dégueulasse. Non, je vais crever là. Ouais. Exactement, tu es mort. J'aurais dû sauter, tout simplement. Hop là. Ouah. Putain. C'est abusé ça. Ah, c'est quoi? C'est des vers dans les cochons? Bah. C'est dégueulasse. Ah, attends. On va tirer ça. Tirer ça et aller par là, voir ce que ça donne. Putain, il y a des trucs chelous partout. Des hyper gros vers de terre là. Saute gros. Ah mais non, mauvaise solution. J'enfonce de plus en plus quand je saute. Maintenant, hein? Ah, je peux escalader ça, d'accord. Mauvaise idée. Bon, je vais peut-être me répéter, mes animations sont vraiment... Wow, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh. Putain, je me fais courser par une sorte de porc complètement chelou. Vas-y, viens là et défonce-moi la porte là. Ok, parfait. Trop bizarre, mec. C'est trop bizarre. Ah! Aou! Aou! C'était pas par là. Ouais, salut. Salut gros. Bah du coup je vais le faire foncer dans le mur, peut-être qu'il va s'arrêter comme ça. Aouh. Saute. Ok, vas-y viens là. Ok. Ouais mais je peux rien faire même de là. Ah trop chelou. Ce monde est pas particulièrement... particulièrement pas agréable. Oh y'a un mec là. Même plusieurs mecs qui sont trop bizarres. Et il faudrait pas que... Mais je pense que... Il faut que je saute sur le cochon et que je saute du dos du cochon pour atteindre la lampe, enfin le truc qu'il y avait au milieu de la pièce. Mais le truc c'est que maintenant que le cochon est assommé, je peux plus. Voilà, la musique est oppressante. L'ambiance est particulièrement étrange et bien faite. Ah mais je peux le tirer tu crois? What the f... Ah c'est quoi ça? Viens ici toi. Oh c'est trop bizarre. Viens là bonhomme. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où tu mets ta tête là-dedans, toi? Ah, mais ça fait bouger les... Trop chelou! C'est trop bizarre, mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas le tirer plus. Je peux pas le tirer. Si. Putain, les contrôles sont vachement ingénieux, mais par contre, le monde est vraiment, vraiment étrange. Et du coup, je vais les enfermer là-dedans, hein? Histoire qu'ils me fassent pas chier. Non? C'est trop bizarre, mec.
J'aimerais bien comprendre en fait comment ça se fait. Sauf que le petit bonhomme, lui, il a l'air de savoir ce qui se passe, quoi. Je pourrais l'ouvrir comme ça. Ouais, ok. Très bien. Ça y est, il commence à faire jour et il pleut plus déjà. C'est une bonne nouvelle. Peut-être un peu plus agréable comme ça. Il n'y a pas du tout de musique dans ce jeu. En même temps, je comprends, c'est genre pour rajouter une ambiance hyper tendue et oppressante au jeu, je pense. Oh, il y en a plein là. Aussi, je peux les contrôler avec la pensée. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Des zombies. Il y a une chaîne, je pourrais sûrement l'atteindre si je déplace quelque chose. Oui, genre si je pousse ça, par exemple. Par exemple. T'as même les sons sont propres, quoi. La physique de la chaîne et tout. Ah, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Ah, les poussins sont de retour. Bon, la chaise, je peux pas. Ouais, je peux ouvrir la fenêtre par contre. Les poussins sont de retour. Ah non, c'était pas les poussins, c'était des petits moineaux. Ils sont barrés ceux-là par contre. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un truc qui peut me tomber sur la gueule là, je le sens gros comme un camion. Il va falloir en tout cas falloir que je le fasse tomber, je pense. Par là-haut, il y a une petite manivelle, enfin pas une manivelle mais comment on appelle ça? Il y a un truc à actionner, quoi. C'est fin de ces bordels. Ah! Ah merde. Merde, je peux pas l'atteindre là. Je peux pas genre le faire tourner ou quoi? Ah si! Que je le pousse comme ça. Voilà, ça devrait aller comme ça. Remarque, ça me paraît encore un peu loin. Non, je vais le pousser vraiment de l'autre côté. Vas-y, oh. Voilà, parfait. Ok, ça me paraît être ça. Au niveau discrétion, il y a mieux quand même. Hein. Si tu veux t'enfuir de quelque part, je te conseille pas d'activer des gros mécanismes qui font un bordel pas possible. Hop là, nickel. Ah, mais quel con. Je suis arrêté en plein saut. Là, c'est le réflexe de. Enfin, je voulais aller vers l'arrière, enfin. Comment dire. Vers sa droite, actuellement. Mais je ne peux point. Car c'est un jeu qui n'est pas fait pour ça. N'est-ce pas? Du coup, je vais pousser ça, ça va exploser le truc et. Je pourrais descendre, mais je vois pas quoi ça va servir du coup. Wow! Non! Au! Ah, je l'ai vu trop tard! Je l'ai vu trop tard, sérieux! Trop dur, ce qui m'arrive. Trop dur, ma vie! Vas-y. Vas-y, encore un peu. Voilà, très bien. Ok, bah, je sais pas à quoi ça a servi, mais ça me servira peut-être après. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Bon, j'imagine que si je saute là, je vais juste crever comme une grosse daube. Ah! Ah ouais. Vas-y, descends. Est-ce qu'on saute dans le trou pour voir ce qu'il y a? Ça me paraît être une idée intéressante. Delta! Ok. Allez, hop, sors ça. Je sais pas trop ce qu'il y a là, mais. Wow, c'est quoi ça? C'est trop bizarre. Ok, bah, moi je rentre partout, je casse tout. Y a pas de souci, je sais pas pourquoi je fais tout ça, mais il doit y avoir une raison quelque part. Oui, ça a désactivé un système électrique, je sais pas lequel. En tout cas, ça a servi à ça. Ouverture de porte, ok. Est-ce que je peux sauter là? Ouais. Ok.
Alors, on va voir s'il y a des gens. Non, il y a juste un mec là. Oh là! Ah ouais, c'est inversé cette fois. Et tu veux que je fasse quoi avec ça? Ah, je pense que. Attends. Je sais ce que je vais faire. Descends. Tu peux pas descendre. Bah si, en sautant. Ok. On va aller voir ce qu'il y a. Ce qu'il y a là-bas. Peut-être qu'on va avoir une visu de ce qu'il faut faire. Ah, non, pas du tout. Ok. Bon, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ici? C'est une bonne question, dont je n'ai pas du tout la réponse. C'est une porte, ça s'ouvre pas, non? Non, ok, bon. Alors éventuellement, il y a une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Ce qu'on peut faire... Ah oui, je sais. Donc maintenant qu'ils sont là, je vais... descendre, si c'est possible. Pourquoi il y a des lumières qui s'allument? Très étrange. On va fermer la porte et on va les faire aller contre le mur, comme ça ils seront du même sens après. Ah mais je peux pas. Bah oui, je suis con. Oh, ah mais il y a deux. Putain, je suis trop con, je l'avais pas vu. Ok, d'accord, ça me paraît plus logique comme ça. Quand je descends, j'ai toujours pas compris comment je faisais pour descendre. Allô. Ah oui, d'accord, c'est contrôle. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah ok, j'avais pas du tout vu qu'il y avait des petites plaques où ils peuvent se mettre dessus. Mais bon. On a fini par trouver, donc tout va bien. Ça, ça me fait trop penser à Portal, genre. Mais pas du tout, du tout dans le même monde. Enfin, c'est juste un jeu d'énigmes, en fait, c'est normal. C'est pour ça que ça me fait penser à Portal. Mais... j'aime bien ce genre de jeu, genre, c'est super sympa à jouer. Après, bon, faut réfléchir, quoi. C'est compliqué des fois, hein. On n'a pas tout sous notre tête. Ok, donc là, j'imagine qu'il va falloir que je saute à un moment donné. Hop, pour choper la tuile. Ah, il y a des gens là. Ah, mais on est encore dans le monde chelou. Bon, je peux encore me faire poursuivre n'importe quoi, en fait. Ah, mais je suis dans une ville entière. Ok, assez étrange. Au moins, moi, je fais partie des autres. C'est pas mal, déjà. Je plus sois. Oh. Non, 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 non. Ah, oh. Comment faire un max de bruit? Fuck. Je te laisse se barrer un peu plus loin, histoire que si à jamais il y a des gens qui arrivent... Faut que je descende, là. Oh là là. C'est quoi tout ça? C'est quoi ces zombies là? C'est trop bizarre. Allez. Casse ça. T'es presque, garçon. T'es presque. C'est bon. Putain, c'est hyper stressant. Hein. Hyper stressant. Ah, y a des rats. Oh, des rats. Y'a quoi là-bas? Y'a rien? Un mur? Ok. Non, ça suffira pas. Cela ne suffira pas, mais je peux pas monter plus haut en même temps. Peut-être si je me balance. Ah, mais attends, je sais. Je sais. Je pense qu'il faut que je. Voilà, que je pousse l'échelle de l'autre côté. Putain, c'est. Je suis. Comment dire? Je peux pas monter. Bah, c'est bizarre ça. Ah bah si, c'est bon, ok. Je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Je veux dire, ça te sert à quoi de te faire repérer par un mec c'est bon, arrête tout. On va voir ce qu'on peut faire avant d'activer ça. Il y a un câble là.
relié à une personne. Ah, mais ça me sert à activer l'ascenseur du coup. Et pouvoir passer, donc je suis obligé d'activer les deux sortes de gros gardes énormes là pour pouvoir passer dans l'ascenseur. Très bien. On va essayer. Là, ça fait bouger les gens quand il y a la lumière qui passe dessus. Vite, 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 vite. Non. Pff, putain, c'est bon. Ah, fuck. Ah oui, d'accord, ok. J'ai compris pourquoi il y a des gens qui bougeaient. Très bien, très bien. Putain, c'est rapide, le truc, là. Je perds pas de temps. Allez, hop. Ok. Vas-y. Ah ! Putain, je suis trop pressé. Je suis trop pressé comme garçon. Mais après, si je suis pas assez pressé, genre... bah, je vais pas avoir le temps, quoi. Tout simplement. Ça passe ? J'étais derrière le poteau, là. Ça va. Désolé pour recommencer ça 10 millions de fois. Un homme pressé. Ok. Ok. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Mais là, je vais faire repérer direct, là. Ah, mais oui. Putain, mais... Comment je vais faire, du coup? Franchement, je sais pas trop... Je crois que je peux genre le faire en plusieurs fois. D'ailleurs, j'essaie de le monter un peu, je recule, j'essaie de le monter un peu, je recule. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Mais comment je vais faire alors? Mais oh. Sérieux? Trop dur ma vie. Ok. Peut-être que je peux déplacer des corps. Pour genre leur faire croire, je sais pas, me cacher derrière ou quoi. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop quoi faire. Ah ! Peut-être qu'il faut que je déplace des trucs avant d'activer le... Merde. Obvious. Peut-être qu'il faut que je déplace des trucs avant d'activer les gros robots. Je vais déplacer des trucs histoire de pouvoir me cacher. Peut-être que je peux déplacer les corps ou quoi. Genre celui-là. Non, je peux pas. C'est très étrange. Mais ça, je peux l'ouvrir avant. Je suis débile. Bah voilà. Espèce de gros débile. J'imagine que ça devait être chiant pour ceux qui regardaient, qui se sont dit « Mais mec, t'avais juste à faire ça. » Mais fais-le! Mais fais-le! Sérieux. Ok. Bon, bah, au moins, comme ça, voilà. On a pris le temps d'apprécier les graphiques de cette salle. On me voit pas là. Non, c'est bon. Ok. Très bien. Putain, c'est trop chelou ces trucs-là. Oh, je sais pas ce que c'est que ce monde, mais c'est vraiment étrange. Je veux des explications, monsieur. Je veux des explications. Ok. Une mouette. Tu vois, ça va. Ça va casser. Voilà. Remonte. Non! Sérieux? What the fuck? Qu'est-ce que je fais là? Ah, terrible ce qui m'arrive. Ouais, voilà, fais semblant. Tout va bien.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien peur que je me fasse attraper si jamais je fais pas comme il faut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putain, c'est trop bizarre. Non, non. Ah, merde! Putain, quel con! Oh, fuck. On va s'arrêter là pour le moment et je reprendrai juste après. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un monde assez chelou, mais c'est hyper intéressant. L'ambiance est super cool et les graphismes vont bien avec le reste. Donc, je suis pas mal content d'essayer ce jeu. Voilà. Bon, à la prochaine. Salut!